Bonjour à tous, Thomas de chez DefiTech, deuxième vidéo nouveauté chez Mille, Imar Bassar Mille, toujours mieux ou encore mieux, je ne sais plus comment on dit. Nous sommes avec Kelly, car nous avons d'abord pendant une première vidéo présenté les nouveautés au niveau des fours vapeur, mise à jour, etc. Et là, en préparant cette vidéo, Kelly me dit « il faut que je te montre le Temp Control ». Impérativement, car c'est une grande nouveauté. Bonjour Kelly. Bonjour. Rebonjour et merci beaucoup de nous accueillir dans ton atelier, car c'est même plus un showroom. Vous avez le showroom, mais vous avez également un atelier où les gens peuvent venir cuisiner. Oui, exactement. Donc ici, nous sommes sur une plaque de cuisson induction. On est sur une 90 cm. Oui. Vous en avez plein, évidemment, des différences. Vous avez un très grand choix chez vous, mais vous avez cette fameuse fonction qui ressemble à un œil. Explique-moi un peu. C'est ça. Alors, c'est la fonction Temp Control. Ça va fonctionner via un système de capteurs qui va capter non pas seulement la température de la vitre céramique, mais aussi de la poêle. Donc ça fonctionne avec deux capteurs et ça va permettre que la température reste constante. Puisque dans les autres plaques à induction ou les zones qui sont sans le Temp Control, l'induction, la température va continuer à augmenter. Avec le Temp Control, la température va rester constante. Kelly, avant qu'on mette la poêle en température, explique-moi d'abord, on va la mettre comme ça ne se coupe pas. Oui. Ici, le type de commande qu'on a. Alors ici, on est sur un type de commande où on va pouvoir allumer au même endroit, mais on va pouvoir effectivement gérer zone par zone. Ça, c'est super important. Donc, vous avez le confort select et vous avez le direct control. Ça, c'est le direct control. Donc, on va bien l'éclairer pour bien le voir. Ça, j'aime bien parce que beaucoup de gens nous demandent, vous avez un bandeau de commande par zone de cuisson. C'est ça. C'est super. Ça déborde, vous ne devez pas vous dire, dans le confort select, c'est ramassé sur le central. Et donc, à ce moment-là, vous devez, la zone se désélectionne. Voilà. Voilà, exactement. Allons-y. Alors pour le Temp Control, ça fonctionne comment? Ça fonctionne ici avec trois niveaux. Ici, pour un œuf sur le plat, on va prendre le niveau 1. On doit attendre. Là, ça clignote. Une fois que ça ne clignote plus et que le petit signal retentit, ça veut dire que la poêle a atteint la température souhaitée. Je présume qu'on est sur chauffer un plat, une viande. C'est ça. Et l'eau la montée en température. Exactement. Ok, donc maintenant, ça a arrêté de clignoter. C'est ça. Donc maintenant, ça veut dire que la poêle est prête à accueillir l'œuf. Pas de matière grasse? Non, pas nécessaire. Donc, explique-moi pendant que je casse l'œuf, l'avantage en fait d'un Temp Control, à qui ça va servir? Alors, ceci? Ça va servir, de un, ça va être une sécurité, puisque il n'y aura pas de risque d'abrasion des aliments. Et puis ensuite, donc on verra ici qu'effectivement, on va continuer à tourner les vidéos, on va mettre une minuterie en route. On verra que l'œuf, effectivement, sera un peu asséché, puisqu'il est effectivement trop cuit. Mais par contre, ça ne va jamais brûler. Avantage aussi, pour tout ce qui est matière grasse et autres, elles ne vont pas être à une température qui risque d'être cancérigène. Est-ce que c'est uniquement sur les plaques de 90 cm ou 90 cm, celle-ci? Non. Alors, les Temp Control sont disponibles à partir des plaques à induction 80 cm. Et là, on aura juste une seule zone Temp Control. Le reste des zones seront des zones classique, tandis qu'on peut aller jusqu'à 936 mm, donc voilà. Et là, on va avoir toute l'attaque à induction avec les zones en Temp Control. Ok. Voilà. Donc, on va jusqu'à 8 capteurs Temp Control. On va faire un petit truc maintenant, ne bougez pas. On va mettre un chrono, car le temps qu'on mette le chronomètre, ici, on va aller vous parler d'une autre nouveauté. Hops. Le chrono démarre, on va vous parler d'une autre nouveauté et on va voir en revenant à combien de minutes nous serons. On va parler maintenant de l'attaque qui porte un numéro extraordinaire KMDA. Tout ça pour dire que la haute est dedans. C'est parti. Voilà, on va pas parler trop fort. Nous sommes dans la cathédrale, dans une verrière chez Mille. C'est très sympa pour utiliser la plaque de cuisson. Ici, bon alors, on va pas se le cacher, tout le monde sort ceci parce qu'il y a une marque qui est bien connue, qui commence par B et qui termine par Aura, qui a révolutionné, on va dire, la vision de la hotte. Voilà. Mais effectivement, n'importe quelle marque ne reste pas sur le bas-côté. Mille, vous sortez, ressortez encore une fois les KMDA. Amélioration de ce modèle-ci. Alors, amélioration de ce modèle-ci, pourquoi? Parce qu'au niveau des décibels, on va gagner 25% par rapport au modèle déjà existant. Donc, on sera à 64 décibels environ. Autre chose aussi, nouveauté, on a la possibilité d'une connexion plug and play. Donc le plug and play, c'est quoi? C'est un système de recyclage de l'air, mais qui n'est pas guidé par des gaines. On le verra un petit peu plus en détail tout à l'heure.
J'ai déjà expliqué ça en vidéo, c'est assez clair, ça, il n'y a pas de souci. Dans le sens que ça passe dans les meubles, en fait. Voilà, c'est ça. C'est plus facile. Et de nouveau, c'est Bora qui avait inventé ça, mais ils se sont rendu compte qu'au final, voilà, c'était pas si mauvais que ça. Exactement. Autre nouveauté ici aussi, on est sur des filtres. Ça, c'est le classique chez Miele, les filtres à graisse de 10 couches. Donc, on va faire... On va montrer quand même. Oups, oui, pardon. Voilà. Ici. Filtre à graisse de 10 couches. Confort pour le consommateur, il peut placer ceci dans le lave-vaisselle avec un programme de lavage pas à plus que 55 degrés, bien sûr. Alors, autre chose, on va faire le petit test ici. Toi ou moi ? Toi. Donc, ici, le fait, c'est combien de couches, tu dis ? 10 couches. Voilà. Maquillage est enlevé ? Non. Le principe est le suivant, c'est que vous mettez 10 couches. C'est ça. Donc, ça permet de mieux filtrer. En fait. Ça permet de mieux filtrer les graisses. Ça se lave au lave-vaisselle, on est bien d'accord. Hein. Oui, exactement. Autre chose, vous avez des filtres à charbon actif. Il est ici. Je ne sais pas si on peut le voir à l'intérieur. Ça, c'est la nouveauté. Le filtre à charbon actif est maintenant situé ici, devant le moteur. Le voilà en vrai. Or, auparavant, il était situé vraiment dans la box de recirculation qui elle-même se situait dans la plainte. Maintenant, il est ici au-dessus. Régénéré ou remplacé ? Ceux-là sont remplacés. Une fois par an ? Non, ça dépendra quand, ça dépendra de l'utilisation, puisque ça dépendra aussi effectivement de quand le signal va s'allumer pour dire de changer le filtre à charbon actif. Voilà, on voit tout de suite la différence. Après, on va toujours conseiller évidemment. L'idée, bien évidemment. Oui, c'est ça. Maintenant, une chose importante, je renverse de l'eau. Je t'en prie. Ça peut accueillir jusqu'à 800 ml d'eau, sans que ça ne déborde. Oui. Je t'en prie. Sûr, hein ? Oui. La haute fonctionne, hein ? Oui. J'ai fait un petit carnage. C'est pas grave. Donc ici, la haute fonctionne toujours et elle a effectivement accueilli 800 millilitres. Oui, c'est beaucoup. C'est un peu plus que les modèles d'avant, effectivement. Oui, et c'est un petit peu plus que la concurrence aussi. Aussi. Voilà, donc ça, c'est l'avantage maintenant. Oui. Vous avez vu les avantages des nouveautés de la KMDA. On va retourner voir notre œuf pour voir il en est où. 10 minutes et 50 secondes, donc beaucoup de trop pour cuire un œuf. Donc on l'a vraiment fait, on va l'arrêter maintenant. Le temps qu'on aille vous montrer la plaque de cuisson KMDA, le temps qu'on tourne en fait tout ça. Donc voilà, nous sommes arrivés où l'œuf est, certes, trop cuit, donc là, c'est pas... Voilà, mais il n'a pas collé. En dessous, effectivement, il est bien. Bon, c'est presque immangeable à cet état-là. Oui, c'est... Oui. On l'a vu, effectivement, ben encore même trop cuit. Pas tellement, au final. Donc c'est... Ça dépend des goûts de chacun. C'est quand même assez réussi, oui, ce thème contrôle au niveau de la plaque de cuisson. Voilà. Exactement. Pour ce fameux thème contrôle et les plaques de cuisson induction, on est bien évidemment sur les nouveautés. Maintenant, dernière nouveauté dans cette partie de vidéo, nous allons vous montrer les lave-vaisselles Miele avec une petite particularité, ce qu'on appelle le front fit. C'est ça. Voilà. Alors Miele en lave-vaisselle, ben... Je ne sais pas combien de pourcents de part de marché, mais c'est énormissime chez vous. C'est de la vaisselle d'extrêmement bonne qualité. On ne va pas sortir de là. On va vous montrer cette petite particularité qui peut être très, très esthétique pour votre cuisine équipée. Nouveau design de panier. On remarque qu'à l'ouverture, c'est joli. Oui, pas tous, hein. Pas tous, mais celui-ci, oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont mis des petits trucs comme ça en caoutchouc. Je sais pas si oui, vous voyez. C'est ça. Ça évite d'abîmer. Ça évite que ça tombe. Oui. J'ai vu, j'ai aussi, on a. C'est toujours pour dire, il y en a un peu chez tout le monde, mais bon, maintenant, Miele, effectivement, au niveau de la vaisselle, ils sont assez robustes, il y a très rarement des soucis de panier, très rarement des soucis de roulette, oui, ça descend, ça remonte hyper facilement, voilà, ils sont très très bons là-dedans, ils ont inventé le tiroir à couvert, c'est eux qui l'ont inventé, voilà, et dans un appareil qui a plus de 40 ou 50 brevets dessus, ne fût-ce que ceci est breveté, etc., oui, et vous savez toujours vous amuser en faisant passer au-dessus, etc., et faire passer des grandes casseroles. Tout ce qui est orange, c'est mis les modulables de toute façon. Voilà, étamovine, etc. Donc, explique-nous un peu, après on verra un peu le power disc. Alors, explique-nous un petit peu ce que c'est que le front fit. Alors, le front fit, c'est ce qui va permettre d'avoir, donc on peut le voir ici, des joints qui sont très 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 minces. Alors, c'est aligné par rapport ici à un frigo. Et c'est aligné par rapport au frigo. Donc, peu importe l'endroit où on veut le placer dans sa cuisine pour que ce soit joli et que ça passe bien dans le design de la cuisine, que la plainte soit très fine ou qu'il y ait
un tiroir ou autre en dessous, il n'y aura pas de souci, puisque l'espace ici est très très mince. Et on peut le voir quand on l'ouvre, qu'effectivement, c'est vraiment... Ça passe au millimètre. Très, très près. Ça passe au millimètre. Autre chose aussi, on peut constater qu'ici, la partie visible ne sera pas à plus que 2 cm. 2 ou 3 cm maximum. D'accord ? Okay. Comparé à d'autres. Oui, tout à fait. On a un peu plus grand, effectivement, oui, dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a vraiment fonctionne... fait un côté esthétique, on peut le camoufler littéralement dedans. C'est ça, on peut le dedans. Camoufler partout. Ok, c'est une nouveauté qui a l'air d'une nouveauté bêtement technique, mais c'est important pour nous, qui est important dans les designs de la cuisine, voilà. Etc. Effectivement. Dernier argument pour clôturer cette vidéo, le Power Disc, ça fait des années. Oui. Si quelqu'un, un consommateur, devait acheter le Power Disc, qu'est-ce que tu lui dirais? Parce que ça coûte beaucoup plus cher que la poudre. Que tu achètes tout seul, ça coûte un peu plus cher que les tablettes aussi. C'est quoi l'avantage d'un Power Disc? Alors, l'avantage du Power Disc, c'est que le consommateur ne va devoir penser à rien, puisque automatiquement, le lave-vaisselle décidera de lui-même quelle quantité de détergent va devoir être utilisée pour pour ce programme de lavage-là. Tout est fait automatiquement, tout se fera comme le fait que ça se remet aussi facilement que je galère un peu pour le remettre. Je n'arrive pas à le remettre. C'est pas grave. Voilà, il suffisait que... Ça, c'est l'avantage du Power Disc. C'est l'avantage du Power Disc d'avoir vraiment un esprit tranquille. Autre avantage aussi, super facile si on veut se connecter à l'application 2000, puisque effectivement, on va pouvoir directement programmer son démarrage. La seule chose qu'il faudra faire, c'est simplement fermer la porte et le programme du lave-vaisselle choisi va pouvoir démarrer. Le all-in-one n'enlève pas l'importance de mettre du produit de rinçage et du sel régénérant dans son lave-vaisselle. Non. Alors après, par contre, le sel régénérant, il va falloir le mettre si on a une eau qui est à plus de 21 degrés allemand. Allemand. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Kelly. Avec plaisir. De nous avoir formés, aidés et de vous avoir donné des informations sur ces produits-ci. On a parlé de cuisson, mais on voulait vous faire une petite incursion quand même sur ces fameux lave-vaisselle et des petites différences qui font la différence. Comme ça, vous voyez un vrai Power Disc. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, laisser des commentaires, nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Il y a également TikTok où les filles au magasin s'amusent à faire des vidéos qui vous inspirent. Et franchement, c'est très, très marrant à regarder. Abonnez-vous et on se retrouve pour plein de vidéos. À très bientôt. Ciao.